Un triste anniversaire. Il y a 8 ans, en mars 2015, un terrible accident d'hélicoptère est survenu sur le tournage de l'émission de TF1 Dropped, causant la mort de 10 personnes, dont 3 sportifs français de haut niveau, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Les autres candidats, Alain Bernard, Jeannie Longo, Anne-Flore Marxet et Philippe Candeloro, ont assisté à la scène, impuissants, et sont restés traumatisés. Ce mercredi 15 mars, l'ancien patineur artistique s'est confié sur ce drame dans un entretien accordé à Télévision Magazine. Il s'est dit encore bouleversé par cette tragédie. C'est un épisode que je ne peux pas effacer de ma mémoire, mais je le mets dans un coin de ma tête. Je n'ai pas forcément envie d'y repenser, a raconté Philippe Candeloro avec émotion, avant de révéler qu'il était à 300 mètres des deux hélicos qui se sont percutés. Je devais être dans l'un des hélicoptères, a ensuite affirmé le grand ami de Nelson Montfort, qui n'est donc pas passé loin de la mort. Mais on m'a changé d'équipage 5 minutes avant. Le départ de mon groupe a finalement été décalé de 7 heures, car les conditions météo n'étaient pas bonnes, a-t-il ajouté. J'ai mis du temps à passer à autre chose et profiter des instants de sursis qu'on m'a donné, a admis Philippe Candeloro. On était une centaine dans cette aventure et on a tous été touchés. J'ai une pensée pour les gens disparus que je commençais à connaître, a-t-il conclu avec tendresse. Un an après le crash, le père de famille révélait dans les colonnes de l'Express qu'il refaisait régulièrement de l'hélicoptère afin de conjurer le sort. Si est-il un épisode que je n'oublierai jamais. J'essaie simplement de le mettre de côté pour continuer à vivre et à avancer. Des images me reviennent régulièrement, mais ça ne hante pas mes nuits. J'ai mis 3 mois à me dire qu'il fallait que je passe à autre chose, avait fait savoir le champion de sport sur glace. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture Figaro Live, YouTube.